Salut, salut, quelle surprise! Je m'y attendais vraiment pas là, c'est vraiment une surprise incroyable. Bonjour à tous les amis, le but c'est de vous présenter un petit peu ma nouvelle villa. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, j'ai changé de maison ici à Koh Samui. Et celle-là, elle est vraiment incroyable, donc je voulais vous la faire visiter. Parce que vous étiez d'ailleurs nombreux à m'envoyer des messages sur les réseaux pour la voir de l'intérieur. Donc on va commencer tranquillement. La particularité de cette maison, c'est qu'elle est tout en verticale avec 4 étages. Et quand on rentre, on rentre dans l'espace qui est ma chambre. Donc ce qu'on appelle une master bedroom. Donc là, évidemment, vous avez vu l'entrée. Et ça, c'est ma chambre. C'est pratique. Comme ça, quand je sors, quand je bois un coup, machin, j'ai pas les escaliers, je suis directement dans la chambre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc master bedroom, là, je suis vraiment aux petits oignons. En vrai, ça, tout seul, si j'étais vraiment tout seul toute l'année, ça me suffirait amplement. Et on se croirait un peu dans un hôtel. Et ce que j'ai particulièrement kiffé dans cette villa, c'est la vue incroyable le matin. Comment ne pas être surmotivé quand tu te réveilles et que tu vois ça? Franchement, c'est pas encore une fois pour faire des comparatifs avec Dubaï où j'étais avant, où il y a voilà, une belle vue aussi, les buildings, etc. Mais là, c'est juste incroyable de se lever tous les matins et d'avoir ça, c'est un bol de motivation. Et voilà, c'est important, notre activité, il y a des hauts, il y a des bas, de rester motivé. Et ça, le matin, bam, moi, ça me motive. Donc là, master bedroom, très très cool, avec la belle baignoire que j'ai pas encore testée, mais j'y compte bien. Et un dressing qui est en cours de taf. On a préparé les petits gants pour la boxe ce soir. Le dressing, tout doucement, il est en train de se remplir. Là, il y a tout ce qu'il faut pour mettre les montres, etc., etc. Petit point négatif, si je ramène une petite un soir à la maison et que voilà, j'ai un besoin urgent, voilà, pas terrible en termes d'intimité, mais bon, c'est pas très très grave. Je vais vous montrer la suite. Ensuite, on arrive dans la partie de vie, la partie cuisine-salon. Je dois vous avouer que cette partie-là, je m'en sers pas beaucoup. J'ai la famille actuellement à la maison, ma maman et ma sœur. Voilà pourquoi vous voyez des affaires, des sacs, etc. Au début, j'avais installé mon setup sur la table ici parce que je trouvais ça cool. Mais finalement, vous allez voir que je me suis fait un vrai bureau. Vous devez reconnaître notre ami Bitkong que j'avais fait faire l'année dernière. Je l'ai fait repeindre exactement aux couleurs du Bitcoin. C'est pour ça que je l'ai appelé Bitkong. Voilà, c'est un peu symbolique. Comme vous le savez, je parle des crypto-monnaies. J'ai des crypto-monnaies depuis 2017 exactement. Et voilà, mon petit Bitkong qui me suit partout. C'est un peu ma meuf, quoi, finalement. Et là, on a la piscine. Pareil, j'imagine que ça va vous faire rire le bisou à Bitkong. La piscine à débordement avec le petit jacuzzi. Cool aussi. J'aime bien me faire un petit coup de piscine ou un petit coup de jacuzzi avant les sessions. Voilà, c'est pareil, ça permet de faire déjà un peu d'exercice et puis de kiffer. Regardez la vue. Quand on est au bord de l'eau, on a l'impression qu'on se baigne dans la mer. C'est juste ouf. Voilà le petit coin apéro pour prendre la petite bouteille de rosé bien fraîche en fin d'après-midi. Et puis voilà, j'aime bien me poser ici aussi, tranquillou. On continue. Là, je compte bien remplir ça. J'ai une petite cave à vin qui est vide pour l'instant. Parce que c'est, voilà, je viens d'arriver hein, dans la villa. Mais je peux vous dire qu'elle va être bien remplie parce que c'est important d'avoir du bon vin à la maison. Et surtout, je compte vous recevoir. Vous pouvez venir une semaine en formation ici avec moi. Vous allez voir les installations après trading. On a mis ça en place. Ça vous permet de progresser à mes côtés pendant une semaine, de se nourrir de ma façon de voir les choses, le trading ou la vie tout simplement. Et on a mis ça en place pour les membres de Livestream Trader. Vous pouvez venir carrément une semaine avec moi à la maison.
la cuisine, les massages. Alors, ça, c'est important, ça. On peut faire des massages à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'aller dans un centre de massage. J'appelle, ils viennent. Regardez le prix pour vous donner un outil de comparaison. On va parler d'un Thai massage, un massage normal, c'est 400 bahts, une heure, à la maison. Ça fait 10 euros. Pour vous donner une idée, à Dubaï, c'était 120 balles. Ici, on a des chambres. C'est un petit peu le bazar. Encore une fois, je viens de m'installer. Une chambre d'amis que je vais vous faire voir après. Une chambre d'enfant. J'ai pas d'enfant. Donc, elle sert de débat. On descend encore. Ici, c'est tout ce qui est service. C'est pour la maid. Donc, il y a la maid room. Il y a des gens qui font le choix d'avoir quelqu'un à l'année à la maison. C'est pas mon cas. Mais maid room, tout ce qui est machine à laver, etc. Ça n'a aucun intérêt que je vous fasse visiter ça. Et là, on a la porte de service pour la femme de ménage qui vient rentrer par ici. Ça, j'aime bien aussi. C'est cool. Ça fait un petit côté nature, un petit côté zen. Voilà. C'est reposant, je trouve. Et on arrive dans la salle de travail. Alors, je vais peut-être d'abord vous montrer les autres chambres avant d'aller voir le trading. Là, on a une petite chambre d'amis. Bon, je ne m'en sers pas du tout. Bon, c'est une chambre lambda. Et l'autre master bedroom, pour l'instant, c'est ma petite sœur qui est à la maison, qui est là. Donc, pareil, un peu comme la mienne, très grand lit, canapé, la vue incroyable. Et la salle de bain qui est top aussi, avec la grande baignoire. Donc, c'est vraiment cool. Elle est bien, la petite sœur. Elle est là, elle est aux petits oignons. Là, je suis vraiment bien. Il y a la clim juste à côté. C'est très, très frais ici. Et avec la petite fontaine, ça donne un côté zen. Et voilà, donc je suis content. C'est top. Waouh! Bonjour, c'est John. J'ai fait Tour, j'ai fait Nantes, j'ai fait Tourna. Donc, cool, cool. Voilà, je vais peut-être ajouter 2-3 décos encore en construction. Mais je suis bien. Je suis pas mal. Donc, cette maison, elle est neuve. Je suis le premier dedans. Et voilà, c'est cool. J'aime beaucoup les monkeys. Encore un monkey. Ah, je ne vous ai pas montré, il y a encore une chambre par là. C'est pas très important. Vous avez vu un peu le style de la maison. Voilà, je suis content de vous montrer cette villa. Il faut rester humble, évidemment. Mais quand je vois le chemin parcouru, je suis quand même très fier de moi. Je ne vais pas vous mentir. Il y a plus de 10 ans, mon premier appartement à Paris, c'était 13 mètres carrés. Un placard, clairement, je l'ai déjà expliqué, mais voilà, c'était bien, hein, il fallait bien démarrer par quelque chose. Et puis au fur et à mesure, on monte en puissance, entre guillemets, et ça, c'est le travail. C'est pas la chance, c'est pas autre chose, c'est la détermination, la motivation et le travail qui, à un moment donné, paye. Il suffit de croire en soi, mais aussi de fournir tous les efforts nécessaires pour y arriver. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut être tenté de penser que c'est facile et qu'en quelques semaines, on peut changer sa vie. Mais c'est du travail, c'est de la motivation, c'est de la détermination. C'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans un moment peut-être un peu moins évident, eh bien, mettez-vous à fond dans un domaine, concentrez-vous et focus au maximum en donnant le meilleur possible chaque jour. Parfois, vous ferez des choses bien, parfois, vous ferez des choses un peu moins bien, mais peu importe, si vous êtes déterminé, si vous êtes motivé et si vous vous donnez à fond avec le travail et avec le temps, ça va forcément finir par payer. Donc voilà, moi je suis content parce que du coup, ça commence à être vraiment sympa. En plus, j'en fais profiter mon entourage. Là, j'ai les proches à la maison qui kiffent aussi cet endroit. Et puis, j'espère que c'est que le début, que c'est pas fini et qu'on va pouvoir aller encore plus loin
ensemble et peut-être encore une plus grosse villa. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis très bien à Koh Samui. Je l'avais expliqué dans un autre documentaire que le plan c'était de faire 6 mois. Et finalement, je vais rester plus de temps à Koh Samui parce que le cadre il est génial. C'est vraiment zen ici. Il y a du sport. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'étais un petit peu plus en forme. La vie elle est vraiment cool et c'est super adapté à ce qu'on fait. Donc je vais passer un peu plus de temps en Thaïlande, un peu moins de temps à Dubaï. Mais croyez en vous, ne lâchez jamais rien, never give up. Bossez dur. Il y aura encore une fois des moments évidents et des moments moins évidents dans votre parcours. Mais force de travail et à force de mettre en place les choses qui fonctionnent, que je vous enseigne d'ailleurs au quotidien avec moi dans Livestream, parce que ce n'est pas que du trading, c'est aussi du développement personnel, vous atteindrez vos objectifs. Il n'y a pas de secret. Là, je suis en train de préparer tranquillement le morning live. Comme tous les matins, vous savez qu'on fait nos analyses. On prépare la journée, je prépare ma session de trading de l'après-midi, l'actualité, un point sur les portefeuilles actions, Forex, essayer de mettre à jour tout simplement les opportunités qu'on a détectées, et puis aussi pas mal de mindset pour garder les troupes un petit peu motivées. Je voulais vous montrer quelque chose qui est important, c'est cet outil qu'on a mis en place qui s'appelle monjournaldetrading.com que je vous offre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Qui va vous permettre de quantifier votre trading, de récolter des datas très intéressantes sur vos habitudes de trading pour pouvoir vous corriger, pour pouvoir vous améliorer. Vous avez, c'est un track record tout simplement, un reporting de l'ensemble de vos trades. On peut regarder rapidement, là ça a démarré cet outil le 5 septembre, donc ça fait 11 mois et donc je peux voir que j'ai fait 143 trades, j'en ai gagné 29%, j'en ai perdu 46%. Donc à première vue, on pourrait croire que je suis nul. Il perd plus que ce qu'il gagne. Effectivement, taux de succès, je gagne moins souvent. Mais le résultat, c'est plus 33 R. C'est bien parce que j'ai des gains qui sont toujours plus importants que mes pertes. J'ai un ratio moyen qui est de 2,5. Donc je gagne toujours 2,5 fois plus que mes pertes et c'est ce qui fait que je suis rentable. Donc vous allez pouvoir avec cet outil détecter quels sont les setups sur lesquels vous êtes le plus efficace, quels sont vos points à corriger. C'est un petit IA aussi qui vous donne des conseils quand vous rentrez vos trades. L'outil va vous donner une note sur 20, des conseils pour vous améliorer. Donc ça, c'est un outil qu'un membre de la communauté Pascal a développé pour vous et qu'on met à votre disposition gratuitement et qui est vraiment, vraiment génial. Je voulais vous montrer ça. Concernant le Morning Live, ça va démarrer dans quelques instants. Il y a quelques centaines de personnes connectées tous les matins. Encore une fois, je pense que c'est important pour vous de ne pas être tout seul devant les écrans, de pouvoir vous sentir déjà encadré. Je vous évite aussi les erreurs qui coûtent cher que vous pouvez faire en suivant n'importe qui ou tout seul. Et puis c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un à qui parler trading à la maison. Vu qu'on passe 6, 7, 8 heures par jour ensemble, au moins vous avez quelqu'un justement pour pas être seul. Et puis vous apprendre nos stratégies et j'ai envie de dire les bonnes manières, les bons réflexes en trading. Donc le morning live, c'est dans 30 minutes. Et puis je prépare toujours un petit peu avant, comme ça je sais où on en est. J'ai déjà fait mes plans en général avant. Et puis c'est cool. Et désolé si vous entendez du bruit derrière. J'ai pas quelqu'un qui tire au flingue dans ma maison. C'est qu'on a des personnes qui viennent travailler, qui viennent finir. De mettre un filet sur le mur derrière pour éviter que des animaux rentrent dans la maison. Donc c'est pour ça que vous entendez du bruit derrière. C'est pas un gun, c'est vraiment. Ils sont en train d'installer quelque chose et les respectant beaucoup, je me permets pas d'aller leur demander de faire une pause au soleil et d'attendre une demi-heure que je fasse ma vidéo. Désolé pour le bruit, les gars. Allez, petit défi, on va commencer avec 1 kg. 1 kg facile, franchement, très très simple, 1 kg. Allez, on va monter un petit peu en puissance. On va prendre 6 kilos. 6 kilos, c'est déjà plus difficile. Je me vois bien le matin, après ma douche froide. Oui, je suis le meilleur. Je suis le best. Allez, on va tester le dernier. Ça va bien vous faire rire, j'imagine. Oh putain. 10 kilos. Je vais gagner mon trade cet après-midi. Le Dow Jones, je vais me le faire. Le Nasdaq, je vais me le faire.
La main gauche aussi. Allez. Le gold. Le pétrole. Le big gold.